Ça devrait être bon, normalement, je pense. Aïe, ouais. Tu vas où déjà? Tu vas sur lui dans Steam, dans les amis, ou tu vas dans la communauté, Ouais, tu diffusion? vas sur... Non, sur sa page où il y a Non, tous ses... c'est sur YouTube directement. Ah, tube, ok, ouais, hop. Sur ma page YouTube. Tiens, ah Trouver le quoi? truc près, Toi aussi t'es allé. Attends, bah je m'arrêterai après. Je bah non, c'est avant. Ah bah t'as pris le vrai du coup. T'as pris quoi? Triple coup ou les grenades? Ouais, triple coup. Je préfère les grenades. C'est bien aussi le triple coup. Bah triple coup en fait j'utilise pas, je trouve ça un peu moyen. Il est où ce BD? J'adorais le triple coup parce que je sautais à la tête des champions là, les énormes. Les grands noirs avec la tête blanche. Hell Knight. Les Hell Knight, voilà. Je saute la tête des Hell Knight, je leur enfonce le canon dans la bouche et je leur balance trois cartes. Les grenades, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors vas-y, repars en arrière du coup là. Il y a un petit levier. Tout de suite. Gauche, non? Là, tu montes sur une caisse, là, tu peux pas monter sur la caisse en métal, là, en retournant en arrière. Ah, mais il reste un PD là! Je sais pas si c'est là où il faut que j'aille. On a du retard, donc du coup. Alors, on voit le PD qui tue là. Ah putain, attends, il y a un autre. Ah! Mais il est où? Oh putain! Il y en avait deux autres. Ouais. Je suis mort. Oh le petit coup de griffe de salope. Alors du coup bon bah je vais attendre que vous me disiez où c'est qu'il faut que j'aille. Normalement quand t'as récupéré la clé bleue aussi t'en avais un. Ouais je l'ai pris à la clé bleue. Ouais tu l'as pris. Bah c'est le premier que tu as. Là je suis en train de faire des ronds avec mon viseur. Non, t'es en arrière. D'accord, en arrière, donc je vais par là. Je continue. Attends, je fais des petits à-coups. Une fois que t'as passé le drone, tu vas à gauche. Une fois que j'ai passé le drone, je vais à gauche. Je descends? Tu ressautes la falaise là où il y avait plein de zombies. Il y a une porte, c'est la grosse porte, non? C'est ça? Là, y a, t'as deux caisses en métal collées l'une à l'autre en dessous d'une espèce de putain de cylindre marqué triple 9C. Ouais, exact, ouais, j'y suis là. Et ben, sous le cylindre triple 9C, t'as un passage à travers les barreaux métalliques. Ah ouais. Ah ouais. Putain, la musique. Ah putain, elle est d'accord! Ah, trop bien! Et en fait, tout ça, tu débloques un niveau de classique 1 ou 2. Ça, c'est le premier niveau. Je suis mort. Mec, elle est pas dure cette salle. Bah, en fait, j'ai été un peu gris. Non, mais en fait, ouais, les glory kills, c'est insupportable au début parce que tu les fais tellement lentement, les mecs continuent de te tirer dessus. En fait, pendant le glory kill, t'es invincible, mais c'est après que tu peux te prendre un truc dans la bouche. Et genre, ouais, et ça se finit un petit peu avant la fin du glory kill, moi je trouve. Ouais. Et du coup, tout à l'heure, quand tu auras passé ce niveau-là, là où t'es, là, pas le niveau ancien Doom, mais le niveau suivant, eh ben, le robot qui est en toi, là, l'IA, elle va te dire, à partir de maintenant, je vais te coller des défis, et si tu les réalises, eh ben, je vais améliorer ton armure. Et tu vois, toutes ces parties, ces secrets, c'est un truc qui va améliorer ton armure. Pour améliorer soit ton équipement, soit ton armure, soit ta vie, soit tes machins, soit tes amis dans le genre. C'est les points d'armes. Allez! Ta race. Moi je les fais pas parce que t'as largement assez de points d'armes.
Ouais, ouais je aussi le fighting ça marche. Hein. Ah, faut que t'ailles dans des. T'appuies sur les boutons. T'as des boutons à appuyer pour faire baisser le truc. Et dans un des coins de la salle, t'as une porte secrète. C'est tout un coin de la salle qui s'ouvre. Le coin droit quand tu rentres. Donc, au fond à droite quand tu rentres. Et comment je fais pour l'ouvrir? Je me rappelle plus, Maxime, t'en rappelles? Non, mais là, c'est, je crois qu'il a débloqué le secret là. S'il a tué, oui, mais c'est faux, effectivement. C'est plus... Non, il y a les trois panneaux qui s'ouvrent et t'as des petits trucs derrière. Il y a une armure verte, je sais plus quoi. Voilà, il y a plus de boutons donc. First, secret. T'as tous les murs, hein. Je pense que tu manges Jean-Jacques. Non, de toute façon, non. Si t'as un mur activé, il sera d'une autre texture. Donc, et les secrets dans 1 et 2, c'était comme ça. Ouais, j'ai fait le tour, Jean-Jacques, t'as menti. Mais ils servaient à quoi les boutons là, à la fin là? Sur ton plateforme, je pense. Comme 1 et 2, quoi. Quand je sors la vidéo tuto, t'as utilisé ton point de talent du coup? Ton quoi? Ton point, t'as récupéré le petit point sur le mec mort en haut. Ouais, comment j'utilise ça? Ah, mais non, j'ai les points d'exclamation là, ici, putain, oui. Bon bah y'avait rien mais je comprends pas. Alors moi ce que je prends en premier, c'est, voilà, c'est les environnementales machin là. Résistance. Ouais, résistance. Ouais. Comme ça tu te feras moins mal sur les bar- les tonneaux et quand t'auras lance-roquette. Ah mais j'en ai pas, j'ai zéro truc. Donc t'as pas récupéré le petit monsieur? Ah, faut que tu retournes au... à l'ascenseur. Si, à la carte bleue, j'ai récupéré le petit monsieur. Non, c'était après. Ah oui, t'as allé tout droit, toi, t'es pas obligé de le faire. Bah t'as une grenade en plus là-bas. Attends. Et t'as la carte de la zone où t'es. Mais si, mais j'ai récupéré la carte aussi. La carte de la zone? Non mais la carte papier, the map, quoi. Bah ouais, quand j'appuie sur table, j'ai la carte maintenant. Toute la carte? Bah, je sais pas, j'ai... Ok, là je vois que t'es sur le cylindre Trinopc. Bah c'est quoi, je vais retourner au début. C'est où l'ascenseur avec le mec du début? Non, vas-y, bah je crois que t'es pas loin, t'es juste à côté. Alors enlève la carte là. Ok, voilà. Il y a une espèce de machine là qui fait boum, là qui arrête pas de tomber. Ouais. L'ascenseur là, bah c'est... Du coup, quand tu regardes, c'est à gauche. Ouais. Là, bah c'est là. C'est droit devant toi. Bah, comment je fais pour monter là-haut, j'ai pas réussi tout à l'heure? À droite. Et quand tu regardes cet endroit, tu passes à droite. Ah. Non, tu passes à droite, carrément à droite de la falaise. Voilà. Mais j'y suis allé pourtant là. Ok, t'as passé la boîte, faut passer là. Ok, tu continues, c'est bien. Et là c'est... Ah bah là c'est à gauche. Là t'y vais. La caverne. T'y vais. Ah j'avais peut-être pas été jusqu'au bout, je crois. Ah ouais, j'avais pas été jusqu'au bout. Alors attends, y'a un truc à récupérer, y'a une carte. Y'a un outil à allumer. Je l'ai pas fait. Si, ça j'avais fait ça déjà. Je l'ai fait tout à l'heure. Predator token gain, je vais te montrer dans l'axe si tu veux. Ouais, c'est bon. Predator. Je peux encore récupérer des clés USB sur des mecs, fait que ça développe ton armure. Pourquoi tu les mets où toi les clés USB? Parce que Doom Logic. Bah ouais, mais. Purchase. Faut que tu cliques sur les comment dire, les points d'exclamation, si tu veux faire disparaître, et après t'as juste à passer la souris sur le total du truc et ça enlève tout.
Ouais. À lire, c'est super drôle aussi. Hein. c'est trop marrant. Putain, il y a beaucoup de trucs à lire, vas-y, je lirai ça, je sais pas quand. Il y a des trucs intéressants quand même. Deux, trois petits machins qui t'apprennent des choses du jeu. Après, des fois, t'as des descriptions des monstres, c'est un peu de l'hygiène, bref. J'avais pas récupéré. Ah merde! T'es tombé dans le coup là! Genre en fucktard! Je voulais voir jusqu'où vous pouvez avancer! À nouveau les items de soins et d'armure. Ok, voilà, je vais les récupérer. Soins et d'armure, c'est pas grave. Soit tu passes un autre triple shot sur le. Ça te parle ou pas? Attends. Ah, t'es content. Pas mal. Hop, tu vois, checkpoint respawn, c'est que t'as tué tous les monstres. Alors okay. descends dans la faille et prends le couloir vert. Elle était donnée, je crois. Alors pendant cette animation, tu peux continuer de marcher. Ah d'accord. C'est pas, non, c'est pas la peine d'y aller. Là. Ça y est. AFK les homosexuels gays. Bisous. Faire pareil aussi. Je vais faire un peu. A toutes, courage. Bisous. Mais Taras, c'est sérieux ça? Exactly.
j'ai vu ton saut. Ouais, j'ai cru que c'était que je sautais dans le vide quoi. Je me suis dit oh merde. Now 221 accident-free days. Je me souviens plus de cette réplique. J'ai même pas lu, j'étais occupé à aller dans mon corps. Ah d'accord, je comprends. Ce niveau est chaud. Celui qui arrive là. Il y a un fight particulièrement qui est chaud. Et là, tu vas trouver le fusil d'assaut. Donc, ça va être mieux. Ça va être beaucoup plus facile. Ouais, ça marche très bien contre les donc les imps là. After running diagnostics on the Praetor suit. It appears that I can activate optional challenges that when completed will assist in upgrading your arsenal at an accelerated pace. I have added a tracking component to your dossier. Main power offline. All entrances non-operational. Le fusil à plasma en secret. Je savais pas ça. Aïe. Merde, what? Hein? Bah alors, n'arrive pas à m'attaquer? Bah alors? Je vais pas remonter Maxi.
Je savais pas que tu pouvais tomber là. Non. Oh putain, mais dis que ta mère. C'est sérieux quoi. Alors en Nightmare, en fait, ils anticipent ta trajectoire en plus. Ah, j'ai l'impression. Hein. C'est... Voilà, t'es en ultra, en ultra-violence, donc ça va encore. Ah d'accord. All entrances not operational. Especially now, in what will be your final moments in this world. All the rumors, the human sacrifices, the hell portal, the demons. It's all true. My sisters and brothers, be thankful. You will be the first. You will have a seat alongside them, just as I will, in what will become the new world that they create for us. Starting now. I believe in honesty, especially now. In what will be your final moments in this world? All the rumors, the human sacrifices, the hell portal, the demons. It's all true. I believe in most. Especially now. In what will be your final moments in this world? C'est quoi la touche des grenades déjà, je m'en rappelle plus. Moi j'avais touche souris mais... clic molek. Molek. Ok. Molek. Molek. Mais... Oh, oh c'est marrant lui, comment il va en l'air. Ah oui, exact. Il ouvre la mâchoire en deux. Human sacrifices,
The Helm Portal. The demons. It's all true. My sisters and brothers, be thankful. You will be the first. You will have a seat alongside them, just as I will, in what will become the new world that they create for us. Starting. Demonic presence at top safe level. Lockdown in effect. Demonic presence eliminated. Lockdown disengaged. Pecha noodle. Here at the UAC, we take pride in nurturing a growing workforce, and each year we harvest only the best of the best. Are you ready to take on new challenges? To become more than you ever dreamed you could be? Talk to your supervisor to see if you meet the requirements for this new soul heart. D'accord, ils arrivent à ouvrir les portes. Non, c'est pas le... Wouah, tout ce que ça donne la tronçonneuse, putain. Ah, donc en fait, si t'as assez de carburant, tu peux one-shot un démon, quoi. Donc les soldats ou les imps, c'est 1. Et plus le démon est gros, plus ça va t'en consommer, quoi. Le carburant, c'est quoi? C'est les trois petits traits rouges en dessous, c'est ça? Ouais.
Et après, t'auras les traits verts, c'est le BFG. Ouais, donc dans la grande salle là, t'as un interrupteur juste avant la porte. Interrupteur. La salle où je suis là actuellement là ? Ouais. Ah oui. Ouais. Gauche, ouais, non, mais je pensais qu'il pas qu'il allait me sauter dessus en fait. Oh là là, mais putain. J'aide.
What? Oh putain, je me suis pris un truc dans la gueule. Putain. T'inquiète pas, la première fois, c'est ce qui m'arrive aussi. Putain, fait chier quoi. Je l'attendais en fait. Oh putain, je reprends l'or en plus quoi. Il t'a pas mis un checkpoint. T'es où? C'était là. Yellow security clearance required. Bon, t'arrives à la... Ah ouais. Les fesses. C'est... Attends, la grenade c'est quoi déjà? C'est utilisé, c'est E du coup. Je crois. Non, c'est F. Merde, c'est quoi? C'est A. Non. Ah, c'est la Wii là. Moi c'était clic souris, mais. Ah oui, c'est vrai, ouais. Bon, bah, j'ai attendu qu'elle se recharge. Bon, là je peux buter les. C'est quand je casse le truc que les méchants arrivent. Ouais, je sais pas, ouais. Ouais. Alors, il y a du soin là-bas. Qu'est-ce qu'il y a par là-haut? Mais... Est-ce qu'il y a du soin en haut? Il y a du soin ici. Là, il y a un truc explosif. C'est tout? Voilà, ici. Pas grand-chose, hein. Je
merde. Je voulais le transformer. C'est pas ça que je voulais faire. Oh merde. C'est que tu restes sur la partie supérieure. Sur le haut. Ouais, en fait le. Donc en fait, je vais pas pouvoir bouger quoi. Merde. Comprends
quoi? Que je me fous de votre gueule. Par rapport à quoi? Par rapport à PUBG, la lenteur de PUBG, la difficulté, etc. Ouais, mais après, c'est des vrais joueurs, quoi. Hein? Tu joues contre des vrais joueurs, quoi. Ouais, quoi, y'en a un certain. Ouais. Maxime, je vais pas mourir. Allez, 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 on y croit. Non, c'est pas tranquille. Tiens. Alors, c'est qui le papa là? Tchou, merde. Les derniers, je les ai un peu attendus dans un couloir. Alors, tu vas tomber sur un petit nono le robot là pour upgrader une arme, l'utilise pas tout de suite. Tu reviendras si t'es pas, tu l'utiliseras pour ta mitraillette. Ok. Allez, plus vite! Plus vite! Plus vite! Il est là. Peur le monde, même pas. Même pas. Access granted. Welcome to the UAC's Mars installation, located in the vast Hellas Plain impact basin. This high-tech mining and research facility is pushing the boundaries of the imagination each and every day. As a valued employee, your loyalty is more than just a commitment to the UAC.
It's a commitment to the future of mankind. Bien rentrer dans les overlords. Ouais. Bien rentrer dans les gens. Oui. Eh, je m'en fous, je la prends pas. Ah putain. Alors attends, c'était par où? J'étais sorti par où, quoi? Ah, j'étais sorti par là-haut. Ah merde, comment je fais pour retourner là-haut? Je peux pas. Je suis obligé de refaire tout le... Ouais, et donc avant d'aller dans la salle où t'es mort plein de fois là, c'était, il y avait une petite trappe qui était fermée, maintenant elle est ouverte. Petite trappe qui était fermée, maintenant elle est ouverte. Juste avant que tu rentres. Là où je suis ou pas du tout là? Non? Avant de d'ouvrir la porte au fight là. Juste avant. D'accord, alors attends. Là je suis où là? Ok, là je suis là. Ah, c'est pas Call of Duty hein, il suffit pas d'aller tout droit. Alors voilà, j'y suis donc avant d'aller à la salle au grand fight. Donc ouais, juste avant. T'avais un. Ah oui, exact. Putain, c'est vrai qu'elle fait trop mal. Putain. De rocher. Et donc dans la zone, je sais plus trop comment, faut que tu montes quelque part et tu vas récupérer le fusil à plasma. Ok, tu sais, c'est encore plus que mal que le... que le fusil d'assaut. Système, on s'en bat un peu les couilles. Ouais, allez, on prendra deux du coup. Alors lui, ah bah lui c'est Locke du coup forcément. Faut que j'aille le petit robot du coup. Et là il y a quoi par là alors? Où est-ce que je suis? Ah c'est ça le scrap. J'ai plasma. Ouais. Donc du coup si tu entends pas ici, tu rates, tu passes à côté de trucs vraiment super bien quoi. Ouais. Ouais. Surtout que le fusil à plasma il est bien pour le niveau d'après. Dans le niveau d'après pareil t'as le lance-roquette en secret. Dans celui d'après encore t'as le double shotgun mais il est facile à trouver. Ça. Oh putain, c'est marrant ça. Et donc Nono le robot, je te conseille de prendre des micro missiles pour la pour le fusil d'assaut. Parce donc, que c'est le fusil d'assaut, il est en 4.
trop bien. Putain, mais comment ça se fait que j'ai pas 15 balles? Ah bah oui, parce que j'en ai utilisé pas mal. Ouais, et puis les micro-missiles, ça consomme. Et donc quand ah, t'as ça fait... Ah, des... Ouais, bah ouais. Ah oui. Et du coup, quand t'as upgradé à fond les micro-missiles, t'as un petit défi, il faut que tu tues je sais pas combien de démons avec une seule salve de micro-missiles. Et du coup, t'as les micro-missiles infinis. Oh putain! T'as des munitions quoi. Donc c'est n'importe quoi. C'est pareil avec le double shotgun. Merde. Que j'utilise tout le temps. Quand tu réussis le défi, t'as deux coups en fait. Alors, le fromage ou le jambon? Il y a le jambon. Ouais, peut-être que je pense à manger moi aussi. Donc, t'as quasi fini le niveau là. Pardon? Tu as quasi fini le niveau là. C'est par là qu'il faut que j'aille ou pas en fait? Je sais rien du tout. Tu reviennes là où. Ah bah attends, j'ai trouvé un secret. Oui. Tu reviennes là où t'avais le. D'assaut, il y avait un bouton à côté. Non, c'était pas le fusil d'assaut, c'est plasma. Le fusil d'assaut, c'était là-bas. Welcome to the UAC's Mars installation. Il t'arrive dehors, t'es dehors. Oh, ouais, ouais, non. Berserker. Je vais pouvoir essayer. Dernier PD.
trop facile ce jeu. Ah t'inquiète. On va se forcer aussi hein. Ouais, alors, du plus gros et du plus moche. Alors, est-ce que j'ai raté des trucs to the facility scanner. Come to the Vega terminal and I'll give you what you need. Ça va, l'archer? Des gens? Oui, oui, je suis un peu stressé et défoncé alors ah, du putain, coup... mais t'es là, l'archer, je t'avais pas entendu. Non, mais vous étiez en train de faire des choses de. Puis après, ma partie l'a commencé, puis après, j'ai eu peur et. Puis là, je viens de raise mes deux potes, du coup, je pense qu'ils peuvent m'aimer. Bon, on a fait un top 3 avec Remington. J'aime bien jouer. Il va se mettre au FPS le Larcha. Non mais non, je trouve ça super dur, c'est vraiment dur. Hein. Putain. Thibaut est arrivé, je lui dis ah tu veux pas me donner. Il me dit ah il m'a coupé tout de suite, il m'a dit non j'aurais jamais cette merde, j'ai dit non, je t'ai pas demandé de jouer, mais tu sais pour viser et tout, tu vois, des conseils, j'en sais rien, c'est toujours la même chose. Tu parlais d'Apex? Ouais ouais. Il est sérieux? Non mais. Oh, moi je trouve que le jeu est rigolo. Ah. Ah, il fait toujours trop mal. C'est les mouvements en fait, les déplacements, c'est tellement cool. Ah, il t'a défoncé. Comment je fais avec les messieurs qui ont un bouclier? Faut casser. Ça se casse par bouclier? Ça se casse, mais tu vas niquer tes munitions, faut que tu leur passes par derrière. Tu cours plus vite qu'eux, donc faut en profiter. Ou sinon, le micro-missile ça marche bien. Ou fusil ghost quand t'auras un coup de fusil ghost, quand t'auras fusil ghost. Et d'accord, mais ils ont fait une sorte.
stoppe pas, on traverse. J'ai encore crevé. J'aille manger donc sinon on peut le regarder maintenant. J'ai fini le niveau bientôt là ou pas là? Ouais. Parce que sinon je finis le niveau et puis on le regarde. Parce que après, je sais pas combien de temps. Je sais pas si je vais revenir après manger. Je vais devoir être dead un peu. Mais avec quelle PlayStation, Kevin? Bah la mienne! Merde, je t'en paye deux. Merde. Ah, mais je suis vraiment un gros critiac. Tweet tweet. Oh là là, mais non, mais c'est sérieux. J'en ai marre, Maxime. Maxime, j'en ai marre de jouer. N'importe quoi. Ça va se terminer en la TF4 cette merde.
C'est rigolo comme jeu. Non. J'avais pas pris un truc ici là. Ah mais non c'est des... Ah bah si j'avais pas pris. Attends, c'est cool, je suis avec des potes en plus. Puis du coup, ça me fait une journée entre dimanche et lundi, vu que je recommence que lundi après-midi. Ça fait que 3 jours de vrai travail. En 35 heures. T'es à combien? 39. Bah franchement, s'il y a personne. Oh ouais, mais ça me fait chier. Bah t'as pas dit que c'était bientôt fini, Maxime, le niveau là? Il reste juste une cinématique. Choper un bonus et c'est bon. Non, parce que là, c'est sale, je sens qu'il va y avoir un combat de fils de pute là. Non? Non. It's a gift. Take it. It will give you strength, help you on your journey, if you can withstand the power surge. Ah bon. Ah ouais, mais avec Doomguy, il a pas le temps, mon gars. Il a jamais le temps. Tout ce qu'il voit, il le défonce. Ouais, je vois ça. Ils vont pas faire un film de Doom armor, ammo. Si, déjà un, c'est de la merde. En FPS, là non, c'est ça, je crois qu'il l'avait fait en plus. Non, il y a une partie pure. Ah, c'est. Ah, d'accord. T'as pris quoi du coup? La vie? La vie, Normalement, faudrait prendre les ammo. Ah ouais? Vu que t'es mauvais. Je suis mauvais? 61,337 UAC members deceased. 81% of the facility is on lockdown. Demonic presence through the Mars installation is critical. According to the records, Dr. Hayden, the invasion originated in the Lazarus facility. It seems that a hell wave was activated, transforming 64% of all UAC employees into the creatures you see roaming throughout the facility. The rest were killed by the demons released from their holding cells by Olivia Pierce. I feel I should apologize for what's happened here. Some of my employees took things too far. Olivia was the cause of all this. And I believe you will have to deal with her in time. You may not agree with our research, but know this. We exploited Hell and its resources because it was in mankind's best interest to do so. What you now see in this facility is the cost of progress. Huh. But none of that matters now. There is an emergency in the foundry. The regulators have been destroyed and the core temperatures are now destabilizing. They've overrun the adjacent facility. If the venting turbines aren't re-engaged, neither of us will survive the meltdown.
t'aider.